Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un Schumann, dans le rond-point, dans un café, avec Alexandre Clément Dautzenberg. Alors, moi, j'adore prononcer son nom en sachant qu'il y a un arrêt de bus à son nom près de la place Plaget. Ouais. Mais son nom exact est Alexandre Clément y Garcia. Y Garcia. Donc, c'est d'origine. C'est espagnol. C'est espagnol. Alors voilà, nous allons faire une petite interview divisée en plusieurs parties, histoire de connaître un petit peu mieux Alexandre, ses écrits, sa musique. Alors on va commencer, vu que je suis là via Novelas, on va commencer par sa rencontre avec Novelas. Oui. Donc, tout simplement, explique-nous comment tu es devenu membre de Novelas SB. En fait, c'est à travers une connaissance, une amie dessinatrice, et qui m'a proposé, on a eu l'idée de faire un livre, un conte, et donc c'est celui-là, c'est L'Aube, en fait c'est le premier livre chez Novelas, et elle était déjà membre en fait, donc... C'est Olivia. Voilà. Olivia de Smet-Servet. Voilà. Et donc voilà, et donc comme ça j'ai pris un peu contact, et en fait très vite j'ai eu d'autres propositions, pour intégrer des collectifs ou dans le même domaine en fait un peu la littérature assez de miniatures, hein, miniatures écrites avec donc le suivant ici, Les mots en héritage. Et en fait c'est assez marrant parce que ce projet-là était déjà bien entamé lorsque j'ai intégré Novelas, et donc j'ai eu très peu de temps pour écrire ma nouvelle, voilà, parce que c'est un recueil de nouvelles. Et j'ai eu, je pense, une semaine pour écrire. Mais ça a été avec un très grand plaisir. Mais je me rappelle, en fait, parce que j'étais aux études à l'époque. Et en fait, j'avais un examen de philosophie. Et j'avais le choix entre étudier cet examen ou d'écrire. Du coup, j'ai choisi d'écrire la pièce, et heureusement j'ai eu le temps de vite m'imprégner de mon cours de philosophie dans le train avant. Enfin, je devrais pas dire ça parce que sinon je vais me faire bien voir par mon prof de philo. C'est pas grave, tu as été diplômé. Voilà, oui, maintenant je suis diplômé. C'est bien, tu parles du temps pour écrire, et le titre de ton texte c'était Le temps de la connaissance. Le temps de la connaissance. Qui était également illustré par Olivia. Exactement. Donc on a essayé de garder les couples qui fonctionnaient, comme on dit, au niveau artistique. Ouais. Donc voilà, et c'était une belle expérience pour toi. C'était, oui, c'était un challenge. Oh ben, un challenge. Disons que c'était la première fois que j'ai eu une sorte de commande, plus ou moins, puisque la première fois où j'écrivais en sachant qu'il y avait un aboutissement immédiat. Donc oui, c'était assez amusant de dire, voilà, on a une page blanche et il faut que dans une semaine, cette page blanche soit entièrement griffonnée de mots. Cela dit, tu étais vraiment sous pression parce que, en principe, les projets sont mis en route trois mois à l'avance. Et effectivement, tu as pris le bateau, vraiment le train en route, mais quasi à la gare. Et donc, effectivement, c'était un bel exploit que de réaliser ce texte aussi vite. D'autant plus qu'il a un haut niveau, tant au niveau du contenu qu'au niveau de la syntaxe ou même tout simplement le vocabulaire. Oui, c'est vrai que on m'a souvent dit que mon écriture était assez dense. C'est, voilà, en fait, ça vient du fait d'essayer de synthétiser un maximum d'idées avec le moins de texte, de page possible. En fait, c'est l'utilisation du langage symbolique, et le langage symbolique est par définition une écriture très dense, parce que symbolique veut dire que le moindre mot, la moindre allusion a son importance. Fait appel à toute une mémoire collective de la littérature et ou tout simplement du langage symbolique en lui-même. Et donc voilà, le fait d'employer ce langage-là fait qu'on doit penser à chaque mot, mais du coup le fait de penser à chaque mot, que chaque mot ait son importance et son symbole et son histoire, fait qu'on peut lire passer une journée sur un paragraphe et découvrir à chaque fois plein de choses, tant dans l'écriture que dans la lecture, évidemment. Et tu n'as pas peur que ce type d'écriture
soit mal interprété, puisque un symbole par définition est culturel. Oui. Donc un symbole dans une région, dans un pays, dans une culture peut avoir une toute autre signification dans une autre. Est-ce que tu n'as pas eu cette peur ou est-ce que tu as cette peur? Ben, en effet, quand j'ai écrit cette pièce-là, je me suis posé la question. C'est vrai que voilà, déjà on ne peut pas tout savoir quand on écrit en langage symbolique. On ne peut pas déjà savoir déjà dans le pays où nous sommes l'entièreté des symboles. Mais alors dans ce cas-là, penser à cette interprétation en fonction de chaque peuple est quelque chose encore plus compliqué à gérer. Mais dans ce cas-là, la meilleure façon de procéder, c'est de moins réfléchir et essayer plutôt l'association d'images. Parce que ce qui est fort dans le symbole, c'est pas tant le symbole lui-même coupé du reste, mais c'est... sa représentation. Voilà, c'est la représentation, c'est la manière dont tu agences les symboles, la manière dont les symboles sont liés. Si tu utilises un symbole dans un contexte différent, il n'aura pas du tout la même signification. Et donc finalement, en écrivant comme ça, on apprend également beaucoup de choses et on se surprend énormément. Parfois on écrit et on se surprend. Une interprétation que parfois même on n'a pas conscience tout à fait. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant en tant qu'écrivain. En tant que lecteur, c'est différent et chaque lecteur, j'ai déjà eu des retours, chaque lecteur voit la chose différemment. Et en fait, finalement, je pense que c'est ce qui est le plus chouette. Parce que voilà, il y a des lecteurs qui viennent me dire oh, c'est extraordinaire, j'ai trouvé ça et ça dans ton livre. Et j'étais là, ah ouais, ouais, ok, c'est. Et donc voilà, en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que dès que tu accouches d'un symbole ou tu accouches d'un paysage symbolique, il ne t'appartient plus. Et ensuite, c'est à toi de réutiliser les symboles que tu as créés, de leur donner vie. Mais voilà, l'écriture progresse, évolue. Et c'est un organisme vivant, ce n'est pas mécanique, c'est totalement organique. Et c'est ça qui est chouette, c'est que d'un livre à l'autre, des symboles sont repris ou des couleurs sont reprises. Et voilà, et sa vie en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que chaque livre... Ce sont des choses auxquelles tu n'avais pas au préalable pensé en écrivant les lignes. Tout à fait. Ce sont les lecteurs qui font des nouveaux liens par rapport à leur propre vécu. Et qui ont totalement raison, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a beau avoir écrit quelque chose, à partir du moment où tu poses le dernier mot, le texte ne t'appartient plus. Tu peux le modifier si tu veux, mais bon, encore là, c'est assez compliqué, par exemple. Victor Hugo, il écrivait, voilà, quand il y a eu des rééditions de son Notre-Dame de Paris. Bon, je ne me compare pas à Victor Hugo, mais il disait, voilà, il y a eu des textes en plus édits. Ce n'est surtout pas parce que j'ai écrit après. C'est parce que c'est des textes qui ont été perdus, des textes qu'il a dû couper. Mais en tout cas, elles font partie de l'œuvre dès sa naissance. Et donc, dès qu'on écrit une œuvre, dès sa naissance, elle a ses défauts, elle a ses qualités, mais en tout cas, c'est un organisme vivant. Et alors à partir de ce moment-là, ben voilà, on le laisse un peu aller à gauche à droite, voir comment il évolue, comment on essaie de voir le retour avec le public pour la prochaine œuvre. Et donc voilà, non, c'est très passionnant en fait d'écrire. Alors je vais te poser la dernière question pour cette première partie qui concerne un peu Novellas et les livres. C'est est-ce qu'il y a des passerelles entre tes activités, donc essentiellement l'écriture et la musique, est-ce qu'on retrouve ça au niveau de ton style d'écriture, indépendamment du choix des thématiques, hein? Je parle vraiment au niveau de la sonorité de tes mots. Oui, ben en fait, oui, parce que contradictoirement, je parle d'un point de vue thématique, je ne parle pratiquement pas de musique, je fais allusion. Parfois, mes personnages sont des musiciens, mais ce ne sont que des allusions. Et donc, on me demande souvent, mais alors, quel est le lien? Et le lien est plutôt dans l'architecture, dans la recherche, oui, de sonorité, comme tu as dit, rechercher des phrases qui nous semblent naturelles, plus fluides. Donc ça, c'est d'un point de vue purement syntaxique, même sémantique. Donc il y a déjà la recherche des sonorités. Bon, maintenant, ce n'est pas... quand j'écris même parfois des poèmes, j'écris rarement en vers. Donc, c'est même pas la recherche de rimes qu'on pourrait se dire, ben, tiens, finalement, c'est le rime, les vers, la poésie versifiée, c'est ce qui se rapproche le plus de la musique.
mais pas tellement dans mes recherches. Par exemple, un compositeur, Pierre Boulez, il disait, lorsque je traduis une œuvre littéraire en musique, souvent on pense au sonnet où on se dit mais c'est déjà une construction musicale et tout. Et bien finalement, en fait, ce n'est pas ça qui devrait être le plus intéressant, à son sens, encore une fois, mais c'est plutôt la manière de... disons que chaque art a sa propre forme d'expression et il ne faut pas essayer de traduire, il faut y trouver un équivalent. Et l'équivalent peut se trouver soit dans les rimes, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, mais peut se chercher aussi dans l'architecture d'un texte, l'architecture d'un poème, l'architecture en musique. Alors c'est assez compliqué parce que du coup j'aborde le thème de l'architecture. Quand tu parles d'architecture, justement, ça fait, bon, pour les profanes, ça fait référence à la construction d'un bâtiment. Mais est-ce qu'on ne parle pas tout simplement de structure syntaxique ? Alors voilà, tout simplement, si on prend le roman, il y a une structure, une manière d'écrire un début, un élément perturbateur, la suite, donc les péripéties. La trame narrative. Voilà, exactement. Et en fait, nous avons exactement la même chose avec des formes musicales. On parle d'architecture, de formes. Alors en musique, on parle plutôt de formes, avec des sonates par exemple. Mmh. Les cantates, les formes sonates, c'est-à-dire on a un début avec une tonalité et puis tout d'un coup un élément perturbateur qui fait qu'on n'est plus dans la tonalité et on va essayer de résoudre par un procédé X et Y, et Beethoven est un grand spécialiste là-dedans, pour retourner vers cette tonalité. Donc finalement c'est plutôt dans ce sens-là, il y a toujours la forme. Alors je vais plutôt parler de forme. Je parlais d'architecture parce qu'en musique contemporaine, là où je suis plutôt justement en plein dedans, on parle d'architecture depuis des compositeurs comme Xenakis qui étaient à la fois des architectes et ils pensent, et c'est ça qui est extraordinaire, ils pensent la musique comme une architecture. Et j'aime bien ça aussi quand je parle de symbolisme, parce qu'en symbolisme, quand justement on doit mettre en relation des symboles, eh bien il y a cette idée de créer une architecture des symboles, savoir où on va, dans par quelle ligne, quelle courbe on va employer. Mais voilà, donc la forme en fait. D'accord. C'est la forme. On va faire une petite pause, tout et puis fait. On prendra un autre aspect de ta personnalité. Parfait.